Bonjour tout le monde. Hello. On espère que vous allez bien. Nous ça va, on a méga chaud. On n'en peut plus, on a 30 degrés là. 32 dans ma chambre. Ouais, on est en train de mourir. Donc bah on espère que chez vous du coup ça va aussi hein. Vous avez pas trop chaud? Attends. Maman, on va le ciseau tatou là. Attends bébé. Du coup bah on va vous faire un petit haul action avec des petites nouveautés et des choses qu'on avait besoin. Pour l'anniversaire de la petite, parce que c'est bientôt, c'est à la fin du mois normalement, mais on l'a fait, on a décidé de le faire avant, voilà, ouais. Parce qu'il y a certains invités qui pouvaient pas venir, donc du coup voilà, donc du coup tu veux montrer ton ciseau? Oui. Alors on lui a pris un petit ciseau pas de patrouille, je sais pas si on voit bien, voilà. Parce qu'à chaque fois, elle voulait prendre ceux de sa sœur. Du coup, on a dit, on va essayer. Ah, c'est 5 ans et plus, ceux-là. Oui. Bon, de toute façon, tu fais attention. Puis à l'école, ils t'en donnent aussi. Mais c'est ceux qui coupent pas, non? Si, ils coupent, ceux-là. Ils sont en forme. C'est en métal. Non, mais de l'école. Ouais, je sais pas. Donc, il y avait plusieurs modèles. Bah, nous, on a pris pas de patrouille, forcément. Parce qu'elle adore ça. Ensuite, j'ai pris ça. C'est un bois, là. C'est une nouveauté. C'est sombre, on voit rien. C'est des tampons avec... bah, apparemment, il y en a 15 et il y a des pochoirs. On voit pas bien. Donc, vous pouvez écrire des prénoms. Il y a des chiffres. Attends, bébé. Et il y a des fleurs. Je sais pas si je peux vous montrer. Allez, t'enlèves tes cheveux. Tu sais quoi? Attends, bébé, descends. Descends. Vas-y, si, tu vas me faire tomber. On va plus me voir dans l'écran, on va me faire tomber. Ah, mais j'ai pas d'ongle. T'as pas un ciseau dans le coin? T'en as toujours un d'habitude. Je sais pas si je déchire la j'ai boîte. J'ai mon, on s'en fout, y'a personne que j'ai mon. Si, ton père. On s'en fout. Tiens. Ça, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah bah là, faut un ciseau pour le coup. Un ciseau pour ouvrir le ciseau. Moi, sinon j'avais cancer. Si, à ce truc, cancer. Donc, du coup, voilà. Ouais, t'as des ciseaux. Donc, c'est des pochoirs en plastique, ça c'est bien. T'as un ciseau ? C'est réutilisable comme ça. Les lettres avec les chiffres. Vous avez des fleurs comme ça, des zigzags. Vous avez des. Vous pourrez passer derrière. Et moi, j'ai lui. Ouais, Harry Potter. Des petits dessins comme ça et ah, des jolies fleurs comme ça. On coupe un ciseau avec un ciseau. Maman, ça c'est des tatouages? Non, c'est des tampons. Tampons? Donc voilà, c'est des trucs en mousse comme ça, il faut les laver après. Hein. Et vous avez les petites encres à côté. Oh, c'est tout mou. C'est un peu fragile, je trouve. Moi, bon, c'était pas cher, hein, c'est pour ça. Je peux arracher la boîte. Ouais. Donc voilà. Après, je sais pas s'il y avait plusieurs couleurs, et moi j'ai pris celui au pif, j'ai pris vert et rose. J'ai pas fait attention s'il y avait d'autres couleurs. Il y en a 20, il y a 22 pièces en tout, en comptant les pochoirs, tout ça. Mais ensuite, on a un eyeliner tampon orange. Maman, t'as pas entré les bonbons? Bah attends, après. Moi je t'attends. Hein. Ouais. Et moi, je vais en goûter un. Bah non, faut les garder pour l'anniversaire. Après, t'en auras plus. Moi, je veux trop des bonbons. T'as mal au ventre, t'as dit. On t'attend, hein. Attends, je vais t'en faire un. Mais j'ai mes lunettes. Non, sinon je m'en faire un. Toi, oui. Attends, j'ai pas de miroir. Bon, en attendant qu'elle essaye le petit stylo, j'ai trouvé ça, c'est une nouveauté. On voit même pas. J'ai trouvé ça trop mignon. Je sais pas. C'est un gloss dans une couverture en silicone. Et apparemment, il sent la cerise, celui-là. On voit. J'avais même pas vu en bas. Oui. Donc moi, j'ai pris que la bouche en dessin. Mais il y en avait d'autres. Je crois qu'il y avait une fleur ou un cœur, je sais plus. Donc il fait 15 ml. Et vous pouvez le retirer de la petite housse.
Vas-y, je t'attends. Tu reviens? Attends, elle est partie. Voilà. Ouais, un petit peu. Bon, vas-y, c'est pas grave. Allez, vas-y. Et ça, j'arrive pas à m'en mettre ça. Dans l'autre. Oui, bon. Non, montre mais... ce que c'est parce que les gens, ils attendent, en fait. Comme ça. Comme ça. Donc, je vais expliquer ce que c'est. Et bah, juste, du coup, t'as arraché le truc. C'est un eyeliner et un tampon pour mettre là, là. Ou ailleurs, vous pouvez mettre où vous voulez. Vous pouvez mettre sur le front, sur la joue. Ah, je te le mets là. Tu vas rechercher après. Alors, ensuite, j'ai pris un déo pour tester. Pour moi. Non, c'est pas pour toi. Toi, t'en as 10 dans ta chambre. Oh, il a l'air de sentir trop bon. Ça sent le yaourt, on dirait. Oh. Donc c'est le Silk Touche. Touch. Vas-y, mets-en pour voir. Et il n'y a pas le parfum. Ils disent ça, bon, ça doit être des fleurs. Je vois des fleurs en dessin. Non, moi j'en veux. Ah ouais, il sent trop bon. Ça sent la mangue. Ah ouais. Bah, bon, je crois que j'ai cassé le bouchon. J'ai appuyé trop fort. Bah oui, voilà, bon, c'est pas grave. J'espère qu'il va remarcher après. Tant pis, je remarche ce week-end. Donc, du coup, voilà, petit déo. Ça sent bon. Donc, j'ai pris le bon. Non. Quoi ? J'ai pris le bon. J'ai pas senti avant, mais ils sont trop bons. Si vous aimez la mangue, il faut prendre celui-là. Ensuite, on a une gomme de 50 cm de long. Je sais pas combien de centimètres elle fait. Bon, c'est une grosse, grosse, grosse comme ça. Tu sais qu'il y en a plusieurs coloris. Il y en a, ça existe où il écrit ton prénom dessus. Moi, je sais. Bah, c'est quand il y a la rentrée, surtout ça. Moi, j'avais la règle. Oh. Ah, mais non, il n'y a pas écrit Sparkle et Razor dessus. Non, mais arrête de gratter. Mais il y a un truc encore bizarre, là. Regarde. Bah, c'est quand ils l'ont fabriqué, ça s'est incrusté dedans. Ah, mais t'es dégoûtant. Ouais. Eh, franchement, arrête tes bêtises. Hein. Bon, voilà, elle est grosse. Encore plus que ma main. Bah, comme ma main, en fait. Bah, il y a la taille dessus. Non, arrête de la mettre sur ta peau de poisson. Non, mais t'es sérieuse. T'es sale. Hein. Bah, non. La joie d'avoir des pré-ados. Non, des ados, pardon. Ouais, nickel. C'est pas une joie, des fois. Vas-y, donne. C'est quoi l'emballage? Non, c'est pour moi. Non? Il est où l'emballage? Bah, je l'ai rangé pour. Bah, il y a marqué la taille dessus. Bah, c'est marqué XL. C'est tout? Bah, oui. Bon, bah, elle fait au moins. Elle fait XL. Tiens pas. Ah, ça me gratte. Je vois pas, ouais, la taille combien elle pourrait faire. 30 cm, non? Oh, un peu moins, 20 cm, 30 cm, c'est ça Non, 20, non, pas autant. C'est 20 cm au moins. Bon, ensuite, on a repris une petite trousse comme ça pour la grande. Parce que la sienne, elle commence à être un peu usée. Voilà. Dans ton fourbi. Donc, c'est un double compartiment. Donc ça, c'est pas mal. Peut-être pour ranger les feutres et les crayons de couleur. Hein, ça sera bien celle-là plutôt pour les feux des grandes couleurs. Parce que l'autre, elle a pas grand-chose dedans. Donc ça, c'est les nouveautés pour la rentrée. Et je crois que j'avais déjà acheté l'agenda de cette couleur-là. Donc du coup, ça sera accordé. Et c'est la, ouais, c'est la collection emoji. Voilà. Du coup, c'est combien? 15. 15 cm? Ouais. Je la voyais plus grande. Non, tu vas faire une bêtise. Mais non, attends. On verra bien. Allez, viens, je t'attends. Tu vois, tu t'es pas rattrapée. Eh ben, je te l'ai dit que j'allais faire une bêtise. Non, t'as dit que c'était moi qui allais faire une bêtise. Tiens, moi, je veux ça. Du coup, elle est partie. Oui. Vas-y. Ah, c'est à moi, là. Bah oui, moi, je vais montrer la trousse. Ensuite, on a un gant Peppa Pig. Nouvelle collection. Pour se laver. Je sais plus c'était quoi les autres dessins. Il y avait Stella de la Pâte Patrouille. Et des simples. Avec des petits bonhommes, des trucs comme ça. T'as montré qu'il y avait la queue de sirène sur le côté? Je trouvais ça trop mignon. Ensuite, j'ai pris ça. Je sais pas si c'est une nouveauté. Bah, elle est cabossée. C'est une salade vinaigrette, hein, toute simple. Donc, il y avait celle au miel avec la moutarde. J'ai pas pu la prendre parce qu'elle était super haute.
Mais déjà, on va tester celle-là. Et il y a 500 ml quand même. Donc, on a de quoi faire pour manger toutes les petites salades. En fait, on a des pots de glace. Comme... Bah, si tu nous casses les comme pots ça. De glace. T'en as une qui va pas être contente. Attends. Ça, c'est des nouveautés. Ouais, c'est mer. Je crois que l'an dernier, il n'y était pas. Il n'y avait que les grands bâtons en silicone, ne vous fermez qu'un bouchon. Donc on les a aussi, mais elles sont pas terribles parce qu'elles font que de s'ouvrir. Bon, celle-là, je sais pas. Je pense qu'il faut les mettre bien droites. Mais celles-là sont pas droites en dessous. On va pas les poser debout. Il faudra les caler dans les trous de la grille du congèle. Mais non, tu poses ça comme ça, tu peux pas les défaire. Ah bah oui! Ah bah c'est bon! Non, je croyais que c'était des petits pots individuels en fait. Ça va bien, mais ça contient pas. En fait, c'est juste à poser comme ça. Ah bah attends, je goûte. Ouais. Mais ça, les bouchons, bah c'est bon, les bouchons tiennent pas. Donc... J'ai hésité à l'acheter au début. Parce que je me suis dit, si c'est que des petits compartiments, ça tiendra pas debout. Et les queues là, sirène, c'est que pas là-dessus. Bah après, ça va geler. Le but, c'est de bien les caler, t'y touches plus. Ensuite, nouveauté. Alpina, ils ont fait des poils comme ça, trop belles. Moi, j'ai pris la turquoise, enfin la vert d'eau, là, un peu la couleur. Bleu. Non, c'est pas bleu, ça. C'est ouais, vert d'eau. Voilà. Du coup, j'ai pris la taille 20 cm, parce que j'avais pas cette taille-là. Et du coup, ça va sur tous les feux, absolument tout. Et du papier. Ouais. Induction, céramique, halogène, gaz, électrique et ça va au lave-vaisselle. Mon lave-vaisselle, je sais pas si je vais tenter parce que j'ai peur que le revêtement il s'en aille. Tu vas faire quoi manger là-dedans? Pour une personne ça. Enfin, steak, bah quoi. On peut se faire des mini crêpes ou je sais pas. Moi j'ai des crêpes salées ce soir. Non la flemme fait trop chaud. Bah moi j'ai rien à faire. On a des trucs à faire déjà. Non c'est moi qui vais faire. Donc du coup, je t'ai dit non. Moi, j'ai dit oui. C'est pas toi qui décide, moi, ado. Oui. Les ados ne décident pas. Alors du coup, il y a marqué poêle à frire. Donc on verra bien ce qu'on va faire avec. Pour faire des fois des petites courgettes grillées parce que personne aime ça. Donc du coup, j'ai pas besoin de sortir la grosse poêle. Madame difficile, bonjour. Et du coup, oui, c'est la marque Alpina. Vous avez encore plus petit que ça. Hein. Vraiment, oui. Le format... Je sais pas si c'est à la même taille. Ouais, le format tout petit comme ça, le rond, là. Elles sont vraiment pas mal. Ensuite, bah, on a de la mayo. Hein. 775 grammes. Ah, j'avais pris ça aussi. Ensuite, on a plein de bonbons. On a déjà montré les bonbons, non? Bah non, elle est partie. C'est elle qui devait montrer des bonbons pour l'anniversaire. Donc, il y a ceux-là. Laisse-moi te passer, s'il te plaît, parce qu'ils vont s'ouvrir. Et ceux-là. Je viens de te dire quoi? Mais c'est bon, c'est moins loin, là. Bon, j'en ai marre. Je vous jure, les ados, mais ils sont vraiment agaçants. C'est pas vrai. Ils balancent tout, aucun respect. Je vais essayer, ça. Non. Je vais essayer sûrement. Donc, on a trouvé ça, c'était dans la semaine d'action. J'ai failli les louper. Parce que bah, je les avais pas vus. Ils étaient bien cachés. Du coup, ils existent en bleu ou en gris. Pourquoi t'as pris en bleu? Parce que c'est moche. Non, non, en fait. Et en fait, vous mettez vos deux mains de chaque côté comme ça et vous l'essuyez en frottant. C'est en microfibre. Donc bon, comme ils disent, séchage rapide, moi je suis pas sûre. Parce que les microfibres... Non, mais c'est le connu... chien, séchage rapide. Non. C'est connu. Ah non, mais du parfum, t'en as déjà trop mis, sérieux. Mais ils sont bons, celui-là. Ah, ça va cocoter là-dedans. Ils sont trop bons, bleus. C'est connu pour pas sécher du tout. Non, j'en ai pas mis parfum. Ça fait glisser l'eau sur vous, plutôt, donc... Oh, c'est comme un servi Donald Agneau. Ouais, voilà. Donc, du coup, vous avez même un petit crochet pour la suspendre et... Je sais plus ce que je voulais dire. Faut la laver à 60. Okay. Comme toutes les serviettes, hein, de toute façon. Ensuite, on a des lingettes. Non, mais vas-y, lève-toi. Tu fais n'importe quoi. Des lingettes comme ça. Bonjour. Tu
suis chiante. Hein. Ouais, aujourd'hui, t'es méga chiante. Pour avoir mon téléphone. Non, certainement pas. Du coup. Oh, oh, oh. C'est dommage, hein. Je suis gentille maintenant. J'ai repris les autocollants comme ça. Donc là, j'ai pris sur le thème. Je sais pas trop ce que c'est. Le thème pour moi. Non. Si. C'est le thème un peu fête anniversaire. Vous voyez, il y a la machine à barbe à papa là. Glace, tout ça. Là, vous avez des macarons. Moi, je m'en sers pour décorer la cuisine sur le mur. Et j'en mets aussi des fois dans la salle de bain. Bon, là, j'ai pas encore commencé, mais. Voilà. J'aime bien ces petits autocollants-là. Ils sont sympas. Pour moi, elle m'a pris ça. Non, c'est une blague. Non, mais. Là, t'aurais un problème si t'avais pris ça pour toi, quand même. À ton âge. Bah non. Ensuite, du coup, pour ensuite. Je sais pas où elles sont les deux là, c'est bizarre. J'ai tellement été en français que les connecteurs logiques, je vais les connaître par cœur. Bah alors, vas-y. Non, ensuite. J'en ai marre de dire ensuite. Bah dis pas ensuite. Bon, après. Mais c'est toujours un connecteur logique, ça me fout. Je dis voilà. Mais c'est toujours un connecteur logique. Bon, on a ça maintenant. Oh, maintenant, c'est bon. C'est un camion poubelle rose. De place. On peut faire comme ça. Comme ça. Et la poubelle, je sais pas si elle se retire quand on la défait. Il a coupé le fil, non ? Je vais te dire ça maintenant. Vous les avez aussi en version garçon, rouge et jaune, je crois, et bleu. Et après, il y a plein de choses, il y a camion benne, camion poubelle. J'ai pas trop regardé les autres parce que c'est celui-là que je cherchais. Donc, en attendant qu'elle coupe le petit fil, moi, j'ai pris ça. Alors, c'est comme l'autre jour, la baleine qu'on avait pris. Et moi, j'avais pris le lapin bizarre. Donc là, j'ai pris un perroquet. C'était pas vraiment ça que je cherchais, parce qu'ils ont sorti d'autres des nouveaux. Et c'était aussi un perroquet, mais c'est pas tout à fait le même. Donc, on va tester celui-là, déjà. Ça les occupera un peu les week-ends. Non, mais bon, demain chaud. Non. Et ensuite, j'ai pris un petit parfum, comme ça, c'était dans la semaine d'action aussi, un beau. C'est pourquoi elle est tombée. Donc, il y avait deux couleurs différentes, je crois. Et il y avait aussi les gels douche. Donc, ça fait 100 ml. Donc, on va tester, on verra, c'est odeur ice. Donc, je pense que ça va sentir bon. On va tester. Non, ça. Après c'est tout. Si t'as pas tout vidé, je sais pas où. Vas-y, viens. Ensuite, on a repris les trucs comme ça pour barbecue. Ouais, très pratique. Et en plus, on peut les recycler, donc ça évite de faire de la vaisselle. En ce moment, il fait chaud, on n'a pas trop envie de s'attarder dans la vaisselle. Ensuite, dernier produit, j'ai repris ça. C'est les petites barres de cacahuètes, mais sucrées. Ça fait penser un peu aux chouchous, pour ceux qui connaissent. Donc, il y en a 3 fois 40 grammes. Mais 2, 4, 6. Vous avez 6 petites barres. C'est tout petit, hein. C'est tout fin. Voilà. C'est bon, tu peux revenir. Ouais. Donc voilà, on a terminé. On espère que ça vous a plu. Et puis, du coup, on se dit à la prochaine. Bon courage pour la chaleur. Essayez de survivre. Nous, on va essayer. Et on vous dit bon week-end, bonne semaine. Et voilà, on se dit à la prochaine. Et merci pour les nouveaux abonnés, du coup, encore. Et on vous fait plein de bisous. Bye bye. Bye bye.